Est-ce que Messi est responsable de la mauvaise saison que le PSG est en train de faire? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Léo Messi, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien, sur cette chaîne, nous, on parle de foot. Sur cette chaîne, nous, on est passionné de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars. Léo Messi, les gars, est-ce que Léo Messi est responsable de la saison mitigée que le PSG est en train de faire? Parce que c'est trop facile de taper sur un joueur, moindre chose Léo Messi, moindre chose Neymar, moindre chose Léo Messi. Est-ce que les résultats que le PSG a actuellement, est-ce que les résultats en Coupe d'Europe, est-ce que c'est Messi le premier responsable? Moi, je pense que non, les gars. Je pense que non parce que Messi, les gars, lorsque le PSG a fait venir Messi, le PSG n'a pas pensé de la manière dont il voudrait faire jouer leur équipe. Ils ont juste fait venir Messi pour le marketing, pour le bling-bling. En aucun moment, on n'a pensé côté sportif. En aucun moment, on n'a pensé projet sportif, les gars. Parce que lorsque vous voyez le PSG jouer, c'est un jeu qui repose beaucoup sur la vitesse, sur la transition. Or, Messi, ce n'est pas un mec capable de jouer en transition rapide. Messi, c'est plus un mec de possession. C'est un mec de possession. Donc, si tu veux faire briller Messi, tu dois mettre Messi dans un contexte là où son équipe aura le ballon. Regardez l'Argentine, les gars. Regardez l'Argentine. Pourquoi l'Argentine? Pourquoi Messi brille en Argentine, notamment en Coupe du Monde? C'est parce que son équipe avait le ballon. Lorsque Messi est bien entouré, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très, très bien. Donc, moi, je pense que ce qui arrive au PSG, les résultats mitigés du PSG cette saison, pour moi, c'est dû aux dirigeants, les gars. Ce sont les dirigeants les premiers responsables. C'est eux qui devaient anticiper les choses en amont. C'est eux qui font le mauvais choix. Là encore, ils viennent de prolonger Marquinhos de 5 ans, les gars. Ils prolongent Marquinhos de 5 ans. Est-ce qu'il faut encore prolonger Marquinhos de 5 ans? Tu peux prolonger Marquinhos peut-être de 2 ans, mais pas 5 ans. Donc, toutes ces choses font en sorte que, franchement, les dirigeants du PSG, pour moi, ils sont incompétents. Pour moi, ce sont eux les premiers responsables de ce qui arrive au PSG. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est Messi le premier responsable? Partage-moi ton ressenti. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.